Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de Angela et moi et d'autres histoires de Perrette Firquet. Alors, comme l'auteur, qui nous en parle dès le début du livre, je ne savais pas du tout non plus ce que voulait dire biographème. Alors, j'ai cherché la définition dans le dictionnaire, j'ai rien trouvé. Je me suis donc rendue sur mon moteur de recherche préféré. Et là, j'ai découvert que le mot avait été utilisé pour la première fois par un philosophe français du nom de Roland Barthès et qu'il aurait comme signification, alors là je vous cite ce que j'ai trouvé, qui caractérise un élément biographique mineur de l'ordre de l'anecdote. Pourtant, il semblerait que ce soit quand même un peu plus que cela. Avec Angela et moi et d'autres histoires, Pierrette Firquet nous livre, avec sa sensibilité de psychothérapeute, de brefs moments imaginés de vie de femme, connue ou moins connue, mais toujours intéressante, aux vies et aux origines différentes, aussi éloignées dans leur parcours que sur la ligne du temps, et pourtant si proches dans leurs conditions de femme. Noire, blanche, juive ou pas, jeune ou vieille, toutes ont en commun la souffrance et la peine, qu'elles combattent avec force et résilience. Parmi ces voix se mêlent parfois aussi celles de la nature, sauvage, primitive, quelquefois maussade ou riante, comme un énième personnage ensorcelant. Ce livre de 118 pages est un condensé d'émotions expulsées par les voix de 17 femmes à travers des textes courts mais intenses, très émouvants pour certains et toujours touchants. C'est aussi une belle manière de découvrir ce qu'est le biographème. Alors maintenant que vous savez comment faire, bonne lecture à tous!